Bonjour à tous, c'est Svenki pour Ergaming. Alors, je vous propose de faire une seconde vidéo sur Conan Unconquered. Dans la première, on avait présenté un peu le jeu, vu les mécaniques de base, et fait la toute première mission, qui était les vents du désert, où il y avait 5 vagues d'ennemis, ni ennemis volants, ni engins de siège, ni feu. Et là, je vous propose qu'on fasse la seconde mission, l'avant-poste frontalier, qui intègre de nouveaux types d'ennemis ainsi que le feu. C'est parti. Alors, dans la première vidéo, on avait gagné un peu tant bien que mal, parce qu'évidemment, je discute, et je faisais pas attention. En plus, j'ai voulu faire le malin, je me suis pas trop protégé. Donc cette fois-ci, je vais essayer de jouer un tout petit peu plus sérieusement, dans l'espoir de pouvoir gagner et de vous montrer une vidéo où je suis un petit peu meilleur, voilà, tout simplement. Bon, toujours nos petits temps de chargement un peu longs, mais on va survivre. Donc comme je vous le disais dans la première vidéo, hein, à chaque fois ils vont réexpliquer qu'il faut renforcer la base, explorer les alentours et s'étendre, et ils ont raison. Renforcer sa base, ça permet de résister aux différentes vagues. Bon, classique, il n'y a pas de mystère. Explorer, ça vous permet de découvrir de nouvelles ressources et de récupérer en fait les ressources, on va dire, un peu unitaires que vous n'aurez pas à récolter, mais juste à ramasser en détruisant des camps de monstres. Et s'étendre, bah, ça permet d'agrandir son territoire et d'aller chercher des ressources qui se trouvent un peu plus loin. Certaines ressources sont par exemple relativement loin de votre base, et si vous voulez par exemple pouvoir utiliser la magie, il va falloir vous étendre relativement loin. Allez, ça va bientôt démarrer. Donc cette fois-ci, j'ai le curseur de la souris. Hop. Alors, quelle est notre configuration? Donc là, on a du bois, c'est bien. On a donc du bois, on a 3 unités. Ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par construire. Hop, petit camp de bûcheron. En plus, notre bois, il est bien positionné là. Constructing. Ça, c'est parfait. Si c'est possible ici. Constructing. Nickel. Alors, comme je l'avais dit dans la première vidéo, on n'a pas ici de terrain d'entraînement. Donc, je vais devoir le construire moi-même. Pour le début, je vais pas le faire. Je vais faire un petit focus sur les maisons. 60 points d'or, je devrais pouvoir en faire deux sans souci. Constructing. Toc, une troisième. Voilà, ok. What? Bon, on va tout de suite aller explorer. Constructing. Et récolter quelques ressources. Yes. Donc ici, je renforcerai ma base ici. Alors, juste avant d'aller explorer, je vais renforcer ma base par ici pour éviter que les hordes arrivent par là. Je vais me renforcer aussi ici, vers le sud. Là, ça a déjà été fait pour moi, c'est pratique. En plus, j'ai même une tour qui m'est offerte. Et j'irai renforcer le nord en essayant de garder en fait la culture des céréales là, pour faire des nourritures. Fight it. Going. On the prowl. Moving. If I must. Des petites ressources rares, nickel. C'est grâce à cette ressource en fait, ensuite qu'on pourra faire des unités qui font de la magie. Le métal stellaire. Hovel complete. Hop. La première vague va arriver dans un petit moment. On a du temps. On va XP un petit peu tranquillement. Hop. Je vais aller. Alors qu'est-ce qu'il me manque? Il va me manquer de l'or. Donc prochain type d'or, je vais pouvoir construire mon terrain d'entraînement. Attack wave gathering. Ok. Donc, elle va venir par là. Donc elle va aller s'écraser contre le mur. C'est parfait, ça me laisse un peu de temps, tranquillement. Time to cut these pigs.
On est full en bois. Ready. C'est nickel. Et voilà. Alors, partons à la base, se soigner un peu. Faire notre petit terrain d'entraînement. Constructing. 92. Non, je vais pas faire ça tout de suite. Je vais peut-être faire ma première. Ah ouais, attendez. Parce que là, j'ai pas de porte. Donc, c'est pas très pratique. Donc, je vais faire une porte ici. Voilà. Ça permettra à mes unités de pouvoir se déplacer un tout petit peu plus librement. Yes. Alors, hop, mes unités sont soignées. Mon terrain d'entraînement est prêt. Training Javelin Soldier. Hop, voilà. Je vais créer deux unités que je vais directement rattacher à Conan. Voilà. Comme ça, dès qu'elles seront créées, en fait, elles iront directement sur lui. C'est plus pratique. On va commencer à renforcer ici, même si je me souviens pas si c'est ici qu'ils arrivent. Tant pis. Hop. Training complete. On va renforcer doucement puisque j'ai pas assez d'or. Training swordsman. Allez, on va essayer de s'approcher de la vague. On the prowl, moving. If I must, very well. Kill them all. War complete. Training complete. Parfait. Donc on a une deuxième unité de corps à corps. On va ramasser le métal stellaire. Fight for your gods. Attack wave approaching. Ok. Donc, la vague ennemie arrive. Je vais peut-être pas me faire la vague et les scorpions. On va reculer un peu. Yes. Histoire de ne pas prendre de risques. Fight awaits. J'espère qu'ils vont pas passer par en bas. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo, je me suis trompé à chaque fois que je me suis positionné. Bon, on va partir du principe que cette fois-ci, je ne vais pas me tromper et qu'ils vont venir par là. Going. Bon, ça sent mauvais, ils sont on toujours pas là. Moving. Ah, cool. Ah, ils arrivent. On recule un peu. Je ne porte pas aggro mes scorpions. Et c'est parti. Donc il reste 22 ennemis. On va rester ici. Very well. On va se mettre hop, par là, en mode tenir la position pendant ce temps-là. Hop. Je vais essayer de continuer de faire mon mur ici. Voilà. Hop. Je vais m'étendre un peu par là pour avoir un petit peu plus de visibilité. Alors, je ne sais pas du tout où sont les ennemis. Qu'est-ce qu'ils font ? Toward the enemy. Yes. Je suis sûr qu'ils sont en train de me contourner. Non, non, ils sont juste leur temps. Allez. Bah, du coup, on se retrouve avec tous les avoir aggroché. La vague. Les monstres qui pop sur la map. Et quelques scorpions. C'est pas trop grave parce qu'on va pouvoir s'en sortir. Il reste deux ennemis sur la vague. On va aller détruire ça. Je vais continuer ma petite fortification ici. Voilà, super, je vais mettre une porte. Constructing. Très bien. Donc, je vais m'étendre vers le sud pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, je vais tenter de mettre les trucs au pif. Non, raté. Constructing. Voilà. Wall complete. Super, on a du la pierre, nickel. Je vais pas ramasser le bois tout de suite parce que je suis full. Pour le moment, je suis à 99 sur 100. Donc je peux pas en prendre plus de 100. Donc si ce que je vais prendre là, ça sera du gaspillage. Donc je vais rentrer, hein, tout bêtement. Je vais me soigner. Pour le moment, je pense que j'ai rien de mieux à faire. Alors, au nord de la base, je vais essayer de m'étendre un petit peu. Pour avoir accès à la nourriture. Hop. Constructing. Je vais commencer la construction de la guilde d'artisans pour pouvoir faire l'amélioration qui nous permet de créer les fermes qui sont ici. Wall complete. Parfait, ça arrive.
Battle standard complete. Hop. Constructing. Voilà. Il ne reste plus énormément d'or, mais ça devrait le faire. Hop. Constructing. Et puis voilà. Constructing. Ah, je me suis loupé. Constructing. C'est pas très grave. Je crois que c'est bon. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Complete. Hop là. Constructing. Craftsman Guild complete. Alors, nickel. Donc, wall complete. Quand on aura 150 d'or, on va faire la réserve de nourriture. Wall complete. J'ai pas fait de mur ici, mais je vais le faire tout à l'heure. On va un tout petit peu anticiper. Bah non, je vais les laisser venir vers moi. Je vais me mettre ici, parce que je sais plus de quel côté ils arrivent. Hop, donc on a l'or. Voilà. Ça, on aura de la nourriture à profusion et c'est pas plus mal. Prochaine évolution, en fait, je ferai l'économie qui va me permettre d'avoir les maisons niveau 2 qui rapportent deux fois plus d'or. Qui me permettent d'avoir le marché, très pratique le marché. Pour pouvoir vendre des ressources et acheter des ressources. Et les parcs à bestiaux qui permettent d'avoir des chevaux. Enfin, des unités montées. Yes. Pour le moment, c'est le tout début. Hein. C'est un peu. On n'est pas en danger, il n'y a pas de souci. On a bien débuté. Hop. On se protège bien ici. Alors, dans la dernière vidéo, hein, je vous expliquais que la plupart des unités peuvent être bloquées par les murs. Et le terrain, sauf les araignées. Les araignées ici, elles montent. Elles montent sur les petites collines. Elles passent et elles viennent détruire vos étendards, ce qui est très très énervant. Wall complete. Voilà, les ennemis sont arrivés. On y va. Wall under attack. Il reste 13 ennemis, aucun souci à se faire. Et en plus, on a une unité qui vient de passer les terrains. Deux, parfait. Si ceci passe pas une ligne par canal. Bon, puis on va enchaîner directement sur les lignes d'autruche. Ce petit nid d'autruche. Je vais faire quelques maisons pour avoir de l'or supplémentaire. Ouh. Alors, hop, je vais directement entamer l'économie. Voilà, parfait. Ce qui m'empêche pas. Ah, mais j'ai déjà les maisons. Bah, c'est parfait. Alors, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre le maximum de maisons. Et... Constructing. Je peux en faire évoluer 4. C'est pas plus mal. Et. Dès que j'ai 325 d'or, je vais aller faire une ferme. Yes. Fight awaits. 50 animaux. Going on the prowl. C'est nickel. Alors j'hésite à faire des unités montées. On va voir comment ça se passe. Dwelling complete. Et là je suis full. Et les animaux, c'est vraiment quelque chose qui se. Qui se crée rapidement, en fait, comme on n'en utilise pas tant que ça. Au final, la ressource est un peu inutile. Donc, c'est la ressource que je vends en premier. Parce que c'est ce qui est le plus facile à avoir. On est tout le temps plus. Why do we wait? A fight awaits. C'est parti. Going. On the prowl. On va faire moving. Le petit pack de monstres qui se trouve ici. Very well. Voilà. Il nous donne de l'or, ça sera une nickel. Exactement ce dont on a besoin. Economics research complete. Ah bah voilà. Good. Hop. Toward the enemy. Attack wave gathering. On va faire un mur ici. Hop. Constructing. C'est parfait.
training javelin soldier. Voilà. Trois unités supplémentaires, ça devrait faire le job. Qu'est-ce qui arrive? Lancier nomade, cavalier Kushite, ok. A priori, pas de surprise. Alors, le marché, il faut 500 pièces d'or. Et le parc à bestiaux. Training complete. Il en faut. Training javelin soldier. Ok, 400. What? Yes. Donc là, on va se rapprocher un petit peu. Going. De la Vaganie, j'aimerais bien l'anticiper. Training complete. Sur cette partie, du coup, je pense qu'on va pas faire les unités montées. On va pas les faire. Hop. Constructing. Que l'intérêt est quand même assez mineur. On les fera dans une prochaine vidéo. Training complete. Les unités au corps à corps vont s'occuper du nid pendant que les unités distance vont détruire les scorpions news qui attaquent les unités au corps à corps. Voilà, cool. J'ai du fer qui arrive, pas mal. Voilà, on a l'air bien là. Attack wave approaching. A priori, ils vont arriver par ici. Des ressources comme ça. Alors là, j'en ai pas besoin parce que je suis full. La ramasser, du coup, ça va juste être du gâchis. Alors je vais le mettre là. Ah bah ouais, ils arrivent. Ils sont quand même nombreux. Voilà, la petite attaque spéciale de Conan, hein, ça fait vraiment énormément de dégâts. J'ai tué la plupart des unités en un coup. C'est magnifique. Ici, on va aller construire la porte. Constructing. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Bon, ils vont s'en sortir sans souci. Ah, j'ai un vétéran qui se cache là-bas. Alors, petit vétéran, tu vas aller voir Conan. Voilà. On n'aura pas de surprise de ce côté. On va continuer à faire évoluer les maisons. Ah, je suis passé une voiture, ce qui veut dire qu'il est temps de faire la ferme. Je pense pas que je vais pouvoir faire mieux. La nourriture, c'est vraiment très bien. On va faire l'autre aussi en même temps. Constructing. On a terminé la vague, c'est super. Du coup, on va retourner soigner. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? J'hésite parce que je vais peut-être tenter sur cette partie d'aller choper le métal stellaire. Bon, il reste pas tant de vagues que ça, je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si c'est une bonne idée, peut-être sur la partie prochaine, il faudrait que j'aille explorer dès le début. Farm complete. Pour trouver le métal stellaire et pouvoir vous montrer les unités qui font de la magie et leur fonctionnement. Alors là, du coup, je pense que je vais plutôt me focaliser sur les tours. Hop, on va faire des tours. Constructing. J'ai pas assez d'or. Il va me falloir plus de maisons que ça, quand même. Constructing. Hop, fais évoluer celle qu'on a là. Yes. Et on the prowl. On va aller... God Tower complete. Vers le sud dès qu'on aura nos 50 pièces d'or. Toc, tiens. Constructing. Voilà, allez, on y va. On va explorer un petit peu. Dwelling complete. J'espère trouver de l'or en fait. Units poisoned. Pour faire deux nouvelles tours. Voilà. Je l'avais pas vu. J'espère que toi tu vas avoir le temps. Non, j'ai perdu une unité. Une minute d'inattention.
Et on perd des unités, ça va très vite. Ils sont assez fragiles, surtout les javelotiers. Good. Toward the enemy. Yes. The fight awaits. Attack wave gathering. Alors, ils se regroupent par où? Eh ben, écoutez, parfait, c'est exactement là où je vais en plus. C'est pas le destin. Units poisoned. J'ai 300 pièces d'or. Ok, bon. Constructing. Faire des tours. Hein. Constructing. Hop, hop. Voilà. Prochaine, je la mettrai ici. J'aimerais avoir deux tours par temps de mur. Sauf ici une tour, je pense que c'est largement suffisant. Units poisoned. Allez, c'est parti. I'm ready. On va faire l'inverse. C'est plus efficace les unités au corps à corps. Voilà. Very well. Tant pis, on a ramassé de la pierre pour rien. Good. Mais c'est pas grave. Toward the enemy. Yes. C'est dommage qu'il n'y ait pas une petite fonctionnalité comme sur, sur certains tower defense qui permettent d'aller directement à la vague, voire même de faire venir plusieurs vagues en même temps. Ça pourrait être pas mal, parce que là je me sens prêt. Hop. On va se mettre ici, en mode tenir la position. Alors juste vous. Voilà, les distances, vous allez reculer un tout petit peu. Et tenir la position. Voilà, c'est parfait. J'ai 461 d'or, mais je n'ai plus de bois. Évidemment, comme je regardais pas. Alors. Constructing. Bon, j'ai pas d'endroit fantastique en fait. Hein. Attack wave approaching. Restez là, vous. Ils sont tous vétérans, c'est pas mal. Quand même mettre Conan yes. Devant. A fight awaits. Voilà, merci Conan. C'est toi qui prends les coups. C'est toi le patron. Alors, sur cette vague, on a les javelotiers qui lancent du feu. Je vais essayer de les cibler rapidement. Oh là là. On a deux. Parfait. Bon, c'est Conan qui prend. Ah non, j'ai aussi une unité normale qui prend. Deux unités. Wow. Je vais les éloigner. Les autres. Je sais plus s'il faut se propager. Aïe aïe aïe. Voilà, ce feu. C'est une calamité. C'est bon. Il est soigné. Il ne reste plus qu'un ennemi sur la vague. Ouais, c'est parfait. What? On récupère tout le monde. Going. On va soigner. On va faire. Training javelin soldier. Trois unités. Nickel. Donc là, je vais aller récupérer les coffres de bois. Que j'ai pas récupéré tout à l'heure. Alors, ici j'avais un coffre de bois ou pas. Là, je vais venir ici. Je vais le récupérer. Training complete. Training javelin soldier. Dans la prochaine vague, on aura les araignées. Deux araignées colossales. Ok. Donc des javelotiers, moi j'aime pas trop les javelotiers parce qu'ils font assez mal aux unités au corps à corps. Training complete. Training javelin soldier. Même si on va s'en sortir quand même, hein, évidemment. Alors, je vais construire des maisons parce que j'en ai pas du tout assez. Constructing. Constructing. Voilà. Training complete. Parfait, j'ai récupéré le bois. Very well. J'aimerais faire le marché, il faut 500, je vais attendre 500. Du
Je vais faire mon petit marché pour pouvoir vendre les ressources que je ne vais pas utiliser, comme la pierre, les animaux et le fer. Puis le métal, c'est-à-dire, puisque c'est un peu trop loin, comme je vais pas aller le récolter, je pense que ça sert à rien de le conserver. On va utiliser pour cette partie que de l'or et du bois. Quoique, je pourrais m'étendre un petit peu pour utiliser la pierre et augmenter la puissance de mes murailles. Ouais, je vais faire ça. Hop. Je vais m'étendre pour pouvoir aller récolter la pierre qui est ici et augmenter le niveau de mes murailles. Voilà, j'ai pas soigné mes unités. Ça, c'est dangereux. Dwelling complete. J'essaie de faire quelque chose ici, là. Battle standard complete. Parfait. Constructing. J'ai pas assez d'or pour faire la mine, mais c'est pas grave. Allez, le petit mur. Attack wave gathering. Évidemment, c'est mal fichu. Je me suis gouré, il fallait pas du tout que je fasse ça. Donc là, je viens de perdre des ressources. Raised. C'est pas grave. Structure raised. En fait, je peux pas construire la porte parce que j'ai pas assez. Voilà. Pas assez d'espace. Je vais faire un mur légèrement plus grand. Constructing. Voilà. Constructing. Super. Et je mettrai un mur au milieu. Ce sera nickel. Qu'est-ce qu'il me fait ? All complete. Alors. Wall complete. Constructing. Ok, pas mal. Training javelin soldier. Un javelotier supplémentaire. Et du coup, je peux construire ma carrière. Évidemment, comme vous voyez, mon... J'ai très très mal positionné mon étendard, du coup ce qui me bloque une partie de la ressource. Bon, tant pis pour moi. Yes. Je vais me rapprocher. Going. Hop. On the prowl. Moving. Des araignées, j'avoue que je me souviens plus. Enfin, les araignées. De la prochaine vague, je me souviens plus où elles vont, si elles vont par en bas ou si elles vont à l'est. Good. Toward the enemy. Yes. A fight awaits. Going. Du coup, la bonne idée. On the prowl. Raté. La bonne idée, c'est d'aller les chercher. Quarry complete. Évidemment, comme je vais aller les chercher, ils vont passer dans le bus côté où je ne vais pas. Classique. If one must. Very well. Ça, ce ne sont pas les ennemis de la vague, hein. Certainement qu'il y a un camp. Toward the enemy. Pas loin. Yes. Parfait. De là. Voilà. Des unités volantes. Voilà. Alors là, il faut que je fasse très attention. Il y a une unité qui... Ah mince. Une unité qui est passée et qui est en train de me détruire. Bon. Et évidemment, comme je l'avais imaginé, les ennemis y passent. Totalement de l'autre côté. Battle standard destroyed. Ça c'est gênant, c'est pas très grave par contre, même si c'est gênant. Je vais faire un étendard ici. Wall under attack. Hop. Pour étendre ma base. Allez-y les gars. Heureusement, on n'a pas d'unité. Incendiaire là sur cette vague là, parce que sinon j'aurais été très très mal. Wall under attack. Je vais aller détruire les 2-3 unités là qui me gênent un peu. Battle standard complete. Wall under attack. That is what is best in life. Oh,
fait, donc maintenant, je peux construire mon petit mur par là. Wall under attack. Hop. Constructing. 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 C'est pas grave si on a construit un mur un tout petit peu trop. Attack wave defeated. Top. Going. Wall complete. Bon, cette prochaine vague là, les difficultés vont commencer parce qu'on va avoir les catapultes. Alors les catapultes à feu, c'est pas encore celles qui sont les plus dangereuses, même si elles font, beaucoup de dégâts aux structures. Et vous verrez peut-être dans la prochaine vidéo les autres catapultes qui elles sont dévastatrices, surtout pour les unités. Donc là j'ai une porte, ici j'ai pas de porte. Je vais ajouter une porte ainsi qu'une tour. Et ici aussi. J'aimerais ajouter une tour. Voilà. Parfait. Alors, là on va faire 4 unités qui vont juste aller dans les tours. C'est pas les unités qui vont venir combattre avec nous. Guard tower complete. On the prowl. Hop, on va aller. En fait, training on va continuer complete. Là où j'étais tout à l'heure. On va continuer de s'enfoncer par javelin ici. Soldier. Attack wave gathering. D'accord, parfait. Alors, toi. Training complete. Tu vas aller là. Training javelin soldier. Ce sera plus que suffisant. Why do we wait? Hop. Fight for your god! Training complete. Training javelin soldier. Les unités volantes sont quand même assez embêtantes parce qu'elles sont résistantes et il n'y a que les javelotiers qui peuvent les attaquer. Ok, la prochaine vague arrive sur le nord. Voilà, on a encore un peu de temps. On va détruire ces scorpions et leur nid. Et on va monter tranquillement. Alors les animaux, on est fou, donc on va pas les prendre pour le moment. Alors j'ai 900 pièces d'or, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais construire deux tours. Tac. Une là, et une là. Vous deux, c'est juste pour défendre ici. Alors à voir si on met une unité dans cette tour et une dans l'autre. Pour le moment je vais les mettre là, parce que peur du temps ils passent par là en fait. Et c'est ça qui est un peu embêtant. Guard tower complete. D'accord, bon, on n'a plus beaucoup de bois. Donc on va se refaire un peu de bois. Constructing. Est-ce qu'on peut faire 4 ici? Constructing. Voilà. Attack wave approaching. Donc la vague suivante arrive. Bon, cette fois-ci on va la laisser venir. On va se préparer. On va mettre les unités à distance dans les tours. Wall under attack. Lumber camp complete. Alors, c'est pas très grave, hein, c'est une unité solitaire qui s'amuse à aller lumber camp complete. Taper dans ma base. Ok. Wall under attack. Voilà. Ici aussi, en fait, je vais faire deux javelotiers que je vais mettre devant cette tour. They were weak. Wall under attack. Je vais les prendre eux. Je vais leur demander de tenir la position ici. Training complete. Si
si j'y vais pas, ça va être... Training javelin soldier. Wall under attack. Voilà, la catapulte. Allez, là, il va falloir que je fasse sortir les unités. Ouais, pas un incendie avant qu'il se propage. Parce que ça, la problématique, c'est que cette catapulte, en fait, elle crée des incendies qui se propagent et qui détruisent au fur et à mesure les bâtiments. Cette vague, on va la vaincre assez facilement. Voilà, super. On va aller soigner les unités. On va les faire sortir d'ici. Pour aller elles aussi se soigner. Une, deux. Voilà. On va en faire deux autres en face de l'autre tour. De la même manière, ils iront dans la tour pour protéger des ennemis un peu aléatoires qui viennent nous embêter et créer un peu de confusion, puisque quand vous avez un petit message, vous avez un peu la pression, un petit message disant que vos murailles sont attaquées, bon, petit moment de pression inutile, on peut s'en passer, donc on va s'en passer. Alors, je vais réparer ce qui vient d'être un peu abîmé, voilà, il n'y a pas grand chose. La réparation, ça coûte de l'or en fait, hein. Tout simplement. Voilà. Et voilà, nickel. La tour fait son job. C'est exactement ce que j'attendais. Alors c'est dommage qu'on puisse pas dire je veux que mon point de raniment soit directement dans la tour. Farm complete. Ce serait pratique, mais ça marche pas comme ça. C'est pas grave. Why do we wait? La ferme. Du coup, je suis quasiment full partout. On va pouvoir faire des petites améliorations. Attack wave gathering. Hop. Command methods research started. Donc la méthode de commandement. Donc accroît la puissance de mes ordres et la roue de la fortune permet à mes hommes de travailler et s'entraîner. Alors je l'ai jamais faite. La roue de la torture. On va voir. Je vais peut-être les faire là pour essayer. Voir ce que ça donne. Pas top au niveau des pièces d'or, mais c'est parce que je fais pas Wall beaucoup de maisons. Forcément. Constructing. Donc pas de bras, pas de chocolat. Alors. C'est pas grave, je vais sacrifier les deux unités que je vais mettre dans cette tour du coup. Wall under attack. Donc là, cette vague 6, elle est scindée en deux. Donc il y a une partie qui va arriver sur ce mur et une partie qui va arriver là ou là. Je pense plutôt par ici quand même. Donc j'ai déjà une tour ici qui est, mes deux tours là sont opérationnelles, donc c'est nickel, il n'y aura pas de surprise. What? Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais scinder mes unités en deux. Voilà, je vais Command methods research complete. Une partie ici, au sud. Dwelling complete. Et What are you waiting for? Conan et deux javelotiers au nord. Fight awaits. D'ailleurs, les deux javelotiers, je vais les mettre dans la tour, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, tu restes là. Ok, puis c'est de les prendre. Attack wave approaching. La prochaine vague sera la vague de la tempête qui va obscurcir la minimap. Donc où j'en suis? Donc là j'ai pas mal de choses, je vais construire le marché. Ah non, attendez. La tente de commandement fournit davantage de commandement que l'étendard. D'accord, mais là j'ai pas forcément besoin de commandement. La roue de la souffrance sert à motiver les esclaves à servir. Elle augmente l'efficacité des structures qui en produisent et réduit le temps de création de tous les soldats issus du terrain d'entraînement. Écoutez, ça a l'air pas mal.
Mais avant ça, je vais faire quand même le marché. Parce que ça fait un moment que je dis que je vais le faire et j'ai toujours pas fait. Constructing. Wall under attack. Alors, vous voyez, il vient par le haut. Encore un échec de positionnement. Hein. Mais c'est pas trop grave. Wall under attack. Voilà. Quand même, va avoir fort à faire ici. Allez, mettez tout ça quand même. Structure burning. J'espère que eux vont s'en sortir. On va combattre tout de suite les incendies. Voilà. Conan, il ne fait plus rien. Il reste 6 unités, hein, donc ça va être plié quand même. Hein. Hop, hop. Alors, nickel. Il reste une unité, je ne sais pas du tout où elle est. Wall under attack. Donc, ils vont aller se soigner. Attack wave defeated. Et on va éteindre les incendies. Ben voilà. Structure burning. Ah. Ça flambe encore un peu. Move ici. Parfait. Going. On va réparer. 64 d'or pour tout réparer, c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir faire ma roue de la souffrance, puisque prochain tick, j'aurai bien mes 600 pièces d'or. Je crois. Ok, c'est parfait. Alors, on va la mettre ici, la roue de la souffrance. Constructing. Alors là, du coup, je découvre. J'ai jamais fait la roue de la souffrance. On va voir à quoi ça sert. Si c'est vraiment pratique. Alors, donc là, je vais pouvoir commencer à vendre. Voilà, vous attack voyez, là, wave je viens de gathering. 500. Vraiment pratique. Ce qui va me permettre d'être beaucoup plus efficace. Hop. Constructing. C'est super. On va... Oh, mince. Constructing. Ouais, on va faire encore un peu de nourriture. Et là, j'ai plus d'or. Quand on n'a plus d'or, on va sur le marché et on vend des ressources. Wheel of Pain complete. Parfait. Yes. Sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que mon unité est sanctifiée, mes unités sont sanctifiées. Why do we wait? Tant mieux. Farm complete. Light defenses research started. Je vais faire une la première amélioration là. Dwelling complete. Pour empêcher les unités à pied de trop défoncer mes murs. Alors, là encore une fois, on ne sait pas trop où est-ce que ça va arriver. Du coup, je vais juste devoir attendre que les unités soient sur moi pour savoir où elles sont. Alors, je vais vendre. Hop, parfait. Sandstorm approaching. Je sais quelle approche. Attack wave approaching. Qu'est-ce que je peux faire là? Les bestiaux? Ouais. J'ai pas très envie de faire ça. Une tente de commandement, 5 points de commandement. Est-ce que je vais faire beaucoup plus d'unités que ça, sachant qu'on est à la vague 8 déjà? Je ne sais pas. Light defenses complete. Wall under attack. C'est bon.
c'est pas. Allez les gars, j'espère qu'il n'attaque pas de plusieurs côtés. Structure burning. Ok, je me dis ok. Wall under attack. Incendiaire. Colonne, toi. Ouais, je te mets un peu de ménage. Parfait. Unit burning. Wall under attack. Structure burning. Les javelotiers vont tenter d'éteindre les feux. Rien par ici, rien par là, rien par là. Rien par là. La tempête qui se déplace, hein, évidemment. Donc si vous n'éteignez pas les feux, en fait, ils se propagent. Hein. Voilà, je ne l'ai pas éteint assez vite, du coup. Ça se propage. Allez, pas de casse. Parfait. Il n'y aura pas de casse sur ce tour. Alors, yes. On va retourner se soigner. On a un petit peu de ressources au passage. Donc là, on est bien en or, on est bien en bois. On est bien en population, donc là je pourrais construire 30. Encore ? Où ça ? Alors, c'est là. Ouais, je pense que c'était là, mais c'est terminé. La prochaine vague, j'aurai 2 unités volantes. Ça j'aime pas trop, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors, bras zéro. Donc, je vais. En fait, je vais pas faire ça comme ça. Je vais juste prendre. Mais est-ce que je peux le faire sur les murs classiques là ? Non. Améliore 3 sections de murs. Oui, mais j'ai rarement 3 sections de murs du coup. Sauf sur les longs murs comme celui-ci. Ah. Je peux pas l'améliorer. Ah d'accord. Ok. Je viens de comprendre comment ça marche. Upgrading. Upgrading. Dommage. Upgrading. Voilà, c'est très cher, j'avais pas fait attention. Attack wave approaching. Bon. Je me dirais j'ai pas mal d'or. Brazier complete. Voilà, on veut Brazier des animaux. Voilà, et même on va prendre un peu du bois, mais pas trop parce que je dis que je suis qu'à plus 2. Du coup, est-ce que. Brazier complete. Ah, le bras zéro, ça me consomme du bois. Et ça, c'est moche. C'est pas très grave non plus. Je vais juste hop, aller me chercher un petit peu de bois. J'ai que du 4. C'est pas grave. Wall under attack. Allez Conan, non. Alors, il nous attaque un peu partout. Oh là 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 là. Alors, ok, Conan, tu vas par là. Les unités. Les javelotiers. Allez-y. Et au tour.
d'être des héros. Alors. Là. Ah, là c'est chaud. Là, c'est chaud, il est passé. C'est pas grave. On va. Avec les unités. J'ai dû tuer un volant, c'est bien. Allez, là on va par ici maintenant. Conan est dans son élément. Il y a du gravier. Ah, c'est plutôt pas mal du coup, mes unités grâce au bras zéro. Alors, c'est, j'avoue, c'est la première fois que je fais le bras zéro aussi. Elles balancent des attaques enflammées. C'est bon ça. Vu comment pour moi ça handicap les attaques enflammées, je pense que pour les unités ennemies. C'est un véritable massacre. Ok, top. What? Yes. A fight awaits. On va retourner au milieu pour se soigner. Peut-être reprendre un peu plus d'unités. On va vendre. Ce qu'on a, on va prendre voilà. Donc là il y a quatre vagues qui il y a la prochaine vague se compose en quatre parties. Bon, ça devrait bien se passer quand même. Je vais réparer training javelin soldier. Et avec ce que j'ai fait, comme ce que je suis en train de faire là, comme javelotier, ça devrait passer. C'était pas mal cette histoire de bras zéro là. Training complete. Bon, c'est un petit peu dommage que j'en ai mis un peu trop, je pense, du coup. Je suis pas sûr. Ah, quand même, hein. Le mur 4000. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment très utile. Wall under attack. Training complete. Training javelin soldier. Allez, c'est la dernière vague, hein. Chevalier de feu nomade 4. Catapulte de feu et démon enflammé. Donc évidemment, la répartition va être simple, hein, mais training Conan là où il y aura le boss. Le démon enflammé, il y en a bien qu'un seul, ouais. Donc on attend tranquillement. Repairing. Hop. On mettra des unités dans les tours s'il faut. Training javelin. On déplacera les unités qui sont dans des tours à la rigueur aussi si on en a besoin. Mais je ne pense pas. Ah, donc il y en a qui arrivent par le nord. Ok. Training complete. Training javelin soldier. Wall under attack. Craftsman guild under attack. Training complete. Wall under attack. C'est pas trop où il est. Structure burning. Bon, on va aller par là quand même. Ici, est-ce que j'ai des unités oubliées? Donc, ils vont pouvoir s'en sortir. On va aller là. Et là, viens par ici, Conan. Tu vas t'occuper du démon enflammé. Une petite brèche chez vous. Et aussi, elle est par là. C'est pas grave, si on perd quelques unités, on prend pas les points. On va aller dans la tour, ce sera peut-être plus pratique. Toc. Oh là, la tour de garde, du coup, elle attaque avec
munitions enflammées, c'est magnifique. Voilà, Conan il va s'occuper tranquillement. Bon, il a quand même plus cher. On va essayer de pas le faire mourir. Voilà. Voilà. Non mais, fais ce qu'on te dit, s'il te plaît. Voilà, va te soigner. Ok, il reste 20 unités. Ouais, il y a celles qui sont là-haut. Ok, il y a 4 d'accueil. Bon, c'est bon, il est assez soigné. Alors, ici. Et on sortit et aller par là. Toc. Pour détruire ce truc là. Qu'est-ce qu'il fait quand même là? Dwelling under attack. Dwelling destroyed. Structure burning. Il reste 4 unités. D'accord, ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 javelotines ici. On va s'occuper de celui-là. That is what is best in life. Structure burning. Attack wave defeated. Bah voilà. We are victorious. On a gagné. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était encore un peu laborieux, mais ça passe. Donc on verra si ça passe encore pour la prochaine. Tant mieux. Merci à tous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.